j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et si vous avez regardé le titre de la vidéo, c'est un petit haul Shein vêtements. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le haul avec les vêtements et la semaine prochaine vous verrez le haul avec les accessoires d'ongles. J'ai commandé des accessoires d'ongles, si vous ne le savez pas, je débute dans la prothésie ongulaire et j'attends encore pour voir si je peux faire une formation. J'ai pris avec moi mon petit téléphone pour vous donner le prix que j'ai eu, parce que à savoir que souvent quand vous commandez chez Shein, vous faites un panier et souvent vous avez un pourcentage supplémentaire de réduction sur votre commande. À savoir que là moi j'ai eu 20% de réduction sur ma commande. On va commencer avec le premier article, et le premier article je le porte sur moi. Il s'agit d'un cardigan côtelé, il n'y est qu'en cette couleur là. Alors pour tout vous avouer, quand je l'ai commandé je m'attendais à un beige, mais du coup c'est un rosé. Mais je l'aime quand même beaucoup, ça me change, sachant qu'en plus je voulais revenir un petit peu au vieux rose. Donc je suis plutôt contente. Alors à savoir qu'il est un petit peu court. Vous voyez, il est un tout petit peu court, mais franchement il est génial avec un jean mom taille haute. Il est impeccable, donc je vous montrerai à chaque fois quand je vous parle des produits comment ils vont porter sur moi. Alors il est de base à 18,99€, il passe en promo à la Black Friday et moi je l'ai eu à 10,61€. Ensuite on part sur une petite doudoune, une doudoune sans manche. Alors ça de base je voulais la prendre que quand j'irai promener Koba. Mais au final je sais pas trop si ça va pas être plus tôt pour mettre dehors, parce que je l'aime beaucoup, la couleur est très belle. Il y a en plus une petite capuche, donc c'est vraiment super. Et elle existe en plusieurs coloris. Vous la trouvez en noir, en kaki, en beige, vous pouvez la trouver en gris, en vert pastel. Vous pouvez la trouver vraiment en plusieurs couleurs. Et au niveau qualité, franchement, honnêtement, vous trouvez la même qualité chez Kiabi ou etc. Donc pour le prix, de base, elle est à 23,49€ et moi avec la promo, je l'ai eu à 17,54€. Donc quand vous appliquez un pourcentage de réduction, c'est vraiment très intéressant. Alors ça, j'adore. C'est, alors la qualité, elle est vraiment super. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un côtelet aussi. Et le tissu est vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Alors bonjour les poils, parce que moi, avec un chat et deux chiens, il va y avoir systématiquement des poils, ça ne m'étonnerait pas. Et c'est un body. Vous voyez, c'est un body un peu décolleté et du coup, il est noir côtelé et il est vraiment trop trop beau. Le body est à 11,99€ de base et moi je l'ai vu à 8,78€. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Trop envie de craquer pour cette robe, alors je verrai si ça me va ou non. Mais il s'agit d'une robe, donc vous voyez, à deux couleurs, donc marron d'un côté et beige de l'autre. Donc bien évidemment vous verrez ce que ça donne portée, je vous montrerai tout ça en vidéo. Mais par contre elle me semble hyper grande, 40-42, elle me semble énorme, donc à voir si je peux la serrer avec une ceinture. Et celle-ci de base elle est à 15,99€. Alors oui, sur la photo portée il y a une ceinture, mais il n'y en a pas dans le colis, donc il faut penser éventuellement à avoir une ceinture que vous pouvez mettre à la taille. Alors ensuite c'est une petite blouse. Alors à savoir que j'adore les blouses, j'adore les chemises, et en ce moment je suis beaucoup dans le beige, le noir, franchement j'adore, j'adore. Alors on part sur une petite blouse comme ceci, fleurie. Alors les fleurs sont un peu marron et il y a également du rosé un petit peu. On pourrait même croire que c'est un petit peu du lilas. Hein. Cette petite blouse elle était pas très chère. Hein. De base elle est à 9€. Alors au niveau de la qualité, honnêtement c'est de la matière un petit peu qui fait transpirer. Hein. Moi j'appelle ça comme ça. Mais pour le prix, honnêtement 9€. Et là avec les moins 20 je l'ai eu à 6,59€, donc franchement pour 6€ on va pas se plaindre. Encore une robe, alors j'avais trop envie de ces couleurs là, alors je la pensais satinée,
mais elle fait un petit peu faux daim. Je sais pas si vous voyez un petit peu la matière, un peu suédine. Donc là par contre il y a des ficelles sur les côtés, on peut la serrer, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner portée du coup. Donc elle est, voilà, son tissu. Et cette petite robe du coup, elle est à 16,99€ de base et moi je l'ai eue à 12,44€. Ensuite j'ai eu un coup de cœur pour un petit t-shirt. Alors à savoir que j'ai du mal avec les t-shirts col rond, je préfère les t-shirts col V et c'est ce qui me va le mieux. Mais je l'aimais beaucoup, je sais pas si vous voyez, si vous allez voir, mais au niveau du logo j'ai trouvé ça vraiment super beau. Et il m'a fait penser à des Vans où il y a plusieurs motifs dessus, où il y a du léopard, du zébré, enfin franchement il m'a fait penser à ça. Et j'adore les Vans, donc j'ai eu trop envie de le prendre. Celui-ci, au lieu de 8€, je l'ai eu à 5,86€. Donc franchement, encore une fois, pour le prix, on va pas s'en priver. Et le dernier, je crois que c'est ma pièce favorite avec celle-là aussi. Mais je le trouve vraiment trop beau. C'est un haut comme ça à dentelle. Franchement, il est trop trop beau. Donc à voir ce que ça donne porté. Faut voir. Mais il est tout transparent. Et pour finir, je porte des boucles d'oreilles de Shein. Et aussi, j'ai pris tout un lot en entier de, voilà, de petites boucles d'oreilles de formats différents. Hein. Elles sont petites, grandes, enfin j'ai pris tout en or. Alors bon, ça fait un petit peu plastoc, hein, on va pas se le cacher, mais pour le prix, on va pas se plaindre non plus. C'était 2€, 2€ toutes ces paires, donc on va pas se plaindre. On va les mettre le temps qu'on pourra les mettre et après bah, ça ira à la poubelle hein, parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas vous, mais au bout d'un moment quand elles perdent leur couleur, il y a une odeur qui va avec et je suis pas très très fan. Donc ça c'est pour la partie vêtements, donc voilà les petites pièces. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ça aura été de courte durée, mais je pense qu'il n'était pas nécessaire que ce soit ultra long. Vous voulez des infos ou des conseils, n'hésitez pas à me contacter en tout cas en commentaire. J'espère que ce petit haul vêtements vous aura plu et puis ben, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt, ciao.